Coucou tout le monde, on se retrouve pour ça. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour Viens boire un café avec moi. J'espère que vous avez passé une semaine bien, du moins à peu près bien, on va dire, que vous avez quand même eu quelques petites ondes positives. Alors moi, je vais vous raconter un peu ma semaine, hein, voilà, c'est ce que vous attendez un peu de notre rendez-vous quotidien, plus le blabla. Oh, qui c'est qui est là, Mimi? C'est Mimi qui est là, c'est mon petit câline. T'as entendu ce que j'ai dit? Oui, fais des bisous. Oh oui, fais des bisous. Va falloir tailler chez toi des torts, hein. C'était pas très belle, hein. Bah oui, hein, ça a tout repoussé, là. Oui, oui, oh, Chewbacca. Je sais pas si vous avez entendu le bruit, hein. En parlant... Oui, bah, c'est bon, Mimi, ce qu'a fait Chewbacca. Depuis qu'elle est bébé, c'est... Voilà, oui. En fait, en parlant de son, je sais plus c'est quelle vidéo, je crois que c'est l'encre à lèvres de Youni, quand je vous ai fait le crash test. Vous m'avez dit, enfin... Deux personnes, ouais, mais c'est arrivé sur d'autres vidéos qu'au niveau du son, ça n'allait pas. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. En fait. Oui, oh, mais hey, tu vas pas me faire ça tout le long, là? Je sais que tu m'aimes. Oui, je sais. En fait, sur ma caméra... Oui, bon, non, tu vas arrêter de me faire des bisous, les connards. Tiens, tu vas te mettre là. Le son, il est intégré au niveau de ma caméra. Donc, en fait, peut-être c'est quand je place un peu plus près ou un peu plus loin au niveau de la caméra, je ne sais pas du tout, mais je ne peux pas faire de réglage. Je n'ai strictement rien à faire, c'est intégré dedans, donc je ne peux pas. Donc simplement au montage, moi je l'entends bien, donc c'est vrai que je module pas. Dans mon logiciel, je peux augmenter le son, mais après on entend des petits grisouillis là, et du coup ça me convient pas spécialement non plus. Donc je sais pas, donc j'en suis fortement désolée, j'essaye de trouver une autre solution, si je peux mettre un micro sur la caméra, mais c'est un peu complexe. Il y a l'histoire du micro-cravate que j'ai testé qui fonctionne très bien. On en a fait un avec mon père. Et que j'enregistre ma voix, là, comme je vous parle, sur mon téléphone et que je le mets sur mon logiciel de montage. Mais le problème, ça ne va pas. Parce que dans mon logiciel de montage, j'ai pas une bande son. Donc, je peux pas mettre le son au moment où la vidéo, ça part. Donc, c'est un peu compliqué. J'en ai un peu marre, on va dire. Donc, je sais pas. Je suis désolée. J'ai essayé de voir. Donc, c'est vrai que pour vous, c'est vrai que moi, la première, hein, quand je regarde des vidéos, qu'il faut que je monte le volume ou le son n'est pas trop terrible, c'est vrai que c'est ennuyeux. Ça, je le conçois vraiment tout à fait. Donc, voilà. Alors sinon, au niveau de ma semaine, alors là, ça a été une semaine, tous les jours, j'ai eu un rendez-vous, enfin voilà, donc ça a été, c'était très actif cette semaine. En plus, j'ai eu Lily, j'ai pas eu l'impression d'en avoir profité parce que justement, j'avais plein de rendez-vous, enfin, vu que les rendez-vous étaient un petit peu tardifs en fin d'après-midi. Donc ça a été une semaine waouh. À l'heure où je vous parle, donc je suis au travail, donc j'ai repris le travail. Franchement, j'ai trop envie, quoi, parce que c'est la première fois depuis l'âge de 18 ans que je travaille, que ça fait aussi longtemps, 2 mois, que j'ai été en arrêt. Voilà. Donc en parlant d'arrêt, justement, vous m'avez posé la question, comment va mon doigt? Alors mon doigt, ça va super bien, je touche du bois. Simplement là, il faut que je reprenne l'activité, en fait, parce que je vous expliquais, hein, je travaille en milieu hospitalier, je travaille en pédiatrie, donc auprès des enfants. Je suis auxiliaire de périculture, en même temps je suis aussi aide-soignante, j'ai 2 diplômes. Et en fait, quand on s'occupe d'un enfant, quand il rentre dans notre service, on a un bilan sanguin à lui faire, une pose de perfusion la plupart du temps, suivant les pathologies. Et moi, je suis la seule en fait à tenir l'enfant pendant que l'infirmière puisse faire ce geste-là justement. Et comme c'est ma main droite que je n'ai pas encore tenu l'enfant, le chirurgien m'a dit « Oula, on ne ferme pas de dossier, on reste en soin pour le moment parce que ben, ça touche au niveau des nerfs. Même si mon nerf n'a rien, tant mieux, hein, c'est des tissus nerveux. » Et en plus, je lui ai dit ce que je trouve bizarre, c'est que mon doigt, par moment, il reste engourdi. Vous savez, ça fait des... comme quand ça fait une crampe, enfin tout engourdi. Du coup, je suis obligée de le masser, que ça ne me faisait pas ça avant, donc je lui en ai parlé. Et au mois de décembre, je dois être vue par un médecin expert, justement. Donc, tant mieux, c'est un chirurgien orthopédique. Donc, on verra ça ensemble, tout ça.
Donc voilà pour ça, et puis bah, j'ai continué tout ce que je devais faire par rapport moi, au niveau de la santé et tout ça. Donc j'ai eu plein mal de rendez-vous médicaux encore cette semaine. Donc voilà, c'est cool, hein, je passe un peu, bon, on s'en fout un peu, hein, c'est ma vie. Et puis j'ai eu donc cette semaine, je vous ai fait une vidéo, il faut que je vous la monte et que je la mette en ligne. J'ai eu l'ouverture de la géocacheline. Ça y est, elle est arrivée. Il y en a certaines qui m'ont dit alors on n'entend plus parler. Alors c'était pas facile de faire une vidéo, je vous en parlais dans les lundis viens boire un café en vous disant ça se passe bien et tout. Là je l'ai ouvert en live. J'ai été prise beaucoup d'émotions parce que c'est déjà un premier concept, c'était vraiment génial, ça a été fort, et faut que je vous poste la vidéo, donc bien évidemment en vidéo, j'ai pas ouvert le colis en live vu que je l'avais déjà fait sur ma page, voilà. Je vous invite aussi également, parce qu'il y en a beaucoup qui ne le savent pas, parce que bah, on regarde pas les vidéos au moment où je le dis ou autre, j'ai créé ma page Facebook, donc en fait j'ai enlevé pratiquement tout le monde de mon compte Facebook. Je laisse bien sûr bien ouvert, mais pour vous, au niveau abonné, allez me suivre sur la page Sweet Dean Makeup, où maintenant c'est plus The Dean 41, je ne m'appelle plus comme ça, c'est Sweet Dean Makeup, vous pouvez regarder le lundi, viens boire un café la semaine dernière, où je vous en parle, du pourquoi, du comment, je ne veux pas vous refaire à chaque fois le même topo, parce que bon, au bout d'un moment, ça saoule. Voilà, donc je suis très très contente d'avoir ouvert cette page, et puis je passe toujours des bons moments aussi avec ce réseau-là. Donc voilà. Sinon, je suis toujours dans la continuité de visite, hein, bien évidemment. Hein, beaucoup me demandent aussi où ça en est. Je vous dirai au moment où j'aurai trouvé et où j'aurai signé, surtout au moment où j'aurai signé, mais pas au moment où j'ai trouvé, je vous en reparlerai. En tout cas, c'est très gentil de vos messages, ça me touche vraiment, c'est vraiment super. Sinon, voilà, au niveau de la semaine, non, ça a été quand même tranquillou, même si ça a été super chargé. Voilà, au niveau de l'actualité, je pense que un peu comme tout le monde, je suis tombée sur le derrière quand j'ai vu le procès pour la pauvre nénette Fiona. Enfin, ça a été un truc, le coup de bambou, quoi. Là, franchement, il y a des choses que j'arrive pas trop bien à comprendre. Il y a beaucoup de personnes au niveau de la justice, c'est un truc de dingue, quoi. Ouais, je sais pas quoi, c'est limite, tu t'assistes, enfin, et puis en fait, tu prends rien, quoi. C'est un peu bizarre la justice française, mais bon. Qu'est-ce qui n'est pas bizarre en ce moment en France? Je me le demande. Donc voilà. Sinon, non, rien d'autre de spécial. J'ai reçu des colis et je vais vous parler justement de ce que j'ai reçu. Donc j'ai reçu un gros colis, donc j'ai été étonnée. On m'a contacté, oui t'as raison Kaline, pousse-toi un petit peu, je mette ça sur mes genoux, vous voyez j'ai reçu un gros colis. On m'a contacté si je voulais tester des produits, et bien évidemment c'était la condition que je puisse dire ce que j'en pense, hein, c'est bien positif que négatif, il n'y a aucun souci. En plus on me laisse le temps de les tester. J'ai déjà pu en tester quand même quelques-uns où je vous ai fait sur Snap des crash tests, où je vous ai donné mes premières impressions. J'ai fait un live aussi, je crois que c'était vendredi soir, où je vous ai parlé de certains produits. Et là, je vais vous montrer. Donc, il y a trois marques. Donc là, je suis en partenariat avec trois marques. Et je suis vraiment contente de ces partenariats-là, parce que c'est des produits que je connais de nom, mais que je ne connais pas du tout. Alors, la première marque, c'est la marque Garancia. Voilà. Donc, j'ai reçu trois produits de chez eux. J'ai reçu le premier, un masque high-tech où je vous ai fait des crash tests sur Snap. Je vous en ai parlé. Je vous le referai sûrement aussi sur ma page Facebook, hein, en vous faisant un live. Donc en fait, c'est une gelée de soie qui va être liftant et hydratant, et on va voir tout de suite le résultat immédiat. Déjà, ma première impression de ce produit-là, c'est vrai que quand je l'ai appliqué, vous avez pu voir, ça m'a vraiment lifté au niveau de la peau. Vraiment de 2 à 5 minutes, bonne impression sur ce premier masque-là. J'ai pu déjà voir des effets tout de suite. Donc il s'appelle Bal masqué des sorciers. Je vous mettrai
dans la barre d'infos, alors en parlant de barre d'infos, justement, on m'a reproché, enfin, c'était pas méchant, c'est que je mettais pas, je le dis, mais je mets pas. Alors, quand on est toutes pareilles, il y a des fois, on vous dit, je mettrai là ou je mettrai là, mais quand on monte la vidéo, on n'y pense pas spécialement. Donc, c'est bien, revenez nous le dire, et là, on le fait. Donc, c'est ce que j'ai fait, et des fois, j'ai pas spécialement le temps, parce que ça, je vous expliquais lundi dernier comment on fait une vidéo, tout ça. Et c'est vrai que j'y pense au moment, après j'oublie, je reviens. Donc c'est bien de venir me le redire, mais il y a des fois, c'est vrai que j'ai pas vraiment le temps. Donc je vais essayer, je vais le faire. Si je le fais pas, dites-le moi. En tout cas, je vais vous mettre les liens des produits. Et puis, pensez aussi à passer par Igral, parce que vous avez les parapharmacies. Je n'ai pas vu si elle cite Garantia et puis les autres, mais il y a les parapharmacies. Vous avez toujours des codes promo avec Igral. Vous avez tout dans le lien de barre d'infos. Ça, c'est fixe, je le laisse. Mais en tout cas, je vous mettrai les liens des produits que je suis en train de tester. Alors, donc voilà pour le bal masqué. Ensuite, la marque Garantia, je vous ai parlé aussi d'un sérum qui repulpe, relaxe, comble et hydrate en même temps. Donc c'est peptide de venin de serpent, acide hyaluronique, peptide anti-poche, anti-cerne, extrait d'améla, hein, d'accord, bourgeon de hêtre, pulpe d'aloe vera, jus de citron frais bio, arnica, mini bio, texture, gel de soie pour tout type de peau. Voilà, donc ça je voulais tester dans mon live du vendredi, je vous en ai parlé, ça fait une semaine que je teste, je vois déjà au niveau de l'application de la crème, quand ils disent que ça repulpe, relaxe, alors relaxe, j'irai pas jusque là, hydratant, je ressens pas le côté hydratant, mais par contre je vais ressentir plus le côté qui va combler, qui va repulper au niveau de ma peau, ça je le vois tout de suite. Et je vous invite à aller voir le live, hein, de toute façon il reste sur ma page, vraiment je le teste, vous voyez ce que ça fait, et c'est un produit, une super belle découverte, je pensais pas du tout. J'en entendais parler des produits Garantia, mais j'ai jamais passé le cap, et là franchement la marque m'a proposé de tester, je me suis dit oui pourquoi pas, et je suis franchement pas déçue. Ce sérum là il est bien parce qu'il est pour le visage, il est pour les yeux, donc ça fait les deux, c'est top. Et justement en parlant des yeux, là c'est mon produit coup de cœur où je vous en ai parlé et où j'ai vu les effets tout de suite, c'est paupières et contour des yeux, donc c'est vraiment bien parce que des fois dans les contours des yeux, on ne peut pas l'appliquer non plus sur les paupières, là il fait les deux, en général je ne suis pas trop leur conseil, quand je mets un produit contour des yeux, je mets toujours paupières, et là je vous ai montré aussi dans le live comment j'applique mes soins, je me démaquille avec vous, donc je vous montre et je vous donne plein de petits conseils. Donc lui il fait anti-cerne, anti-poche, anti-ride, anti-relâchement. Il a une couleur blanche lactée. Il a été en plus élu beauté 2014 et franchement il est top. Donc il va favoriser l'élimination naturelle des pigments. Donc c'est très bien par rapport à moi, ma pigmentation qui se trouve ici. Donc je le descends toujours un petit peu plus bas. Il va protéger, va lutter, défatiguer, le regard, redensifier et raffermir. Tout ce qu'il y a écrit dessus... pour moi, bien évidemment, quand je vous parle des produits, c'est ce que je vous ai mis dans ma barre d'infos, c'est moi, hein, c'est ma peau, mon type de peau, tout ça. Franchement, il est vraiment bien. Moi, je l'aime beaucoup. Alors, je vais l'utiliser le matin, parce que le soir, j'utilise un autre de La Roche-Posay. Et ça, c'est un produit vraiment où je rachèterai, parce qu'il est vraiment top. De toute façon, les trois produits que je vous ai présentés, ils sont vraiment bien. Il n'y a aucun souci. Ensuite, j'ai eu la marque, je ne connais pas du tout, la marque Éclaé. Donc ça, je voulais tester aussi en crash test sur Snap, le gommage lumière visage. C'est un gommage, en fait, qui va avoir une texture onctueuse, qui va éliminer les impuretés des cellules mortes en améliorant le renouvellement cellulaire. La poudre de sel exfolie en douceur, et c'est vrai, vous avez pu voir quand j'ai fait sur Snap, donc c'est les deux produits, lui et le masque, je vous le ferai en live hein, sur ma page, vous avez pu voir justement que pour même les peaux sensibles, enfin j'ai vraiment apprécié, donc le tube il se présente comme ça, j'ai vraiment apprécié la texture, j'ai vraiment apprécié l'odeur, donc c'est une texture rose comme ça. Et c'est vraiment des tout petits grains. Je ne sais pas si vous allez arriver à les voir. Voilà, des tout petits grains. Ça ne... comment dire, ça n'abîme pas votre peau, ça ne va pas l'irriter. Moi, j'ai la peau qui est très sensible ici et ici. Je vois tout de suite si un soin me convient à cet endroit-là. Et franchement, c'est top, quoi. Vraiment, ça fait son taf en plus.
J'ai bien aimé en fait, comme c'est des petits grains et ça fait pas mal, m'exfolier ici où souvent on a les pores qui sont bouchés, hein, quand on fait ça des fois, c'est vrai qu'avec le sébum et tout, c'est pas top du tout et j'ai vraiment bien apprécié. Ensuite, deuxième produit qu'ils m'ont envoyé de cette marque-là, c'est le baume généreux nutrition intense corps. Alors là, j'en suis tombée amoureuse, d'ailleurs ça se voit, je suis en train bien de l'utiliser. C'est un baume et vous l'appliquez sur tout votre corps. Et j'ai été vraiment surprise, c'est que sur le côté apaisant, alors c'est un baume, je trouve qu'il est beaucoup plus hydratant, beaucoup plus protecteur qu'un lait. Alors attention, il y a des laits qui sont très bien, hein. Mais celui-ci, le baume, parce que vous avez des baumes en peau, comme ceci, mais lui, déjà il s'applique bien, il pénètre bien, on peut s'habiller tout de suite, et en même temps j'ai ce côté confort, parce que vous savez, j'ai une peau de crocodile, j'ai ce côté confort, et je me sens vraiment bien, et ça je vous le conseille. Alors ça a un coût, c'est des bons produits, hein, j'ai envie de vous dire, mais vraiment, et l'odeur, mais c'est... Je peux pas trop vous la décrire, c'est un côté frais, un côté un peu concombre, un côté fleuri, je sais pas, je peux pas vous le décrire, mais en tout cas c'est une super bonne odeur, j'aime beaucoup. Le troisième produit que je n'ai pas essayé par contre encore, c'est un gommage pour le corps, fleur de Camargue. Je ne l'ai pas testé lui, donc je peux pas vous en parler, donc je reviens, puis je ne veux pas vous emmener sous la douche hein, pour faire le crash test. Ils sont trop bons, regardez. J'ai mis mes doigts dedans, ça c'est sûr, hein. Mais je ne l'ai pas encore testé, donc je peux rien vous dire. Et ça, je viendrai vous en reparler une fois que j'aurai testé. Autant je vais penser à m'exfolier le gommage, pff, n'importe quoi. Le visage, mais le corps, c'est vrai que voilà quoi. Ensuite, de la marque Phytomère, donc c'est la troisième marque, donc qui m'ont envoyé. Ça, je vous l'ai présenté dans mon live hein, du vendredi. La lotion démaquillante. Alors, Phytomère, j'en ai déjà entendu parler. Pareil, je n'ai jamais acheté de produit. C'est un produit qui est sans alcool et ça, c'est top. C'est une lotion. Alors, c'est pas un tonique seulement. C'est un tonique en même temps démaquillante. Donc, je vous ai montré comment je l'utilise. J'adore parce que son odeur, elle est fraîche de rose. Ça sent vraiment trop, trop bon. Et je vous l'ai comparé justement vendredi à mon eau de beauté merveilleuse de rose de la Maison Lager que j'aime beaucoup. Il y a du miel dedans. Et ben, je trouve que ce produit-là, en fait, il fait beaucoup plus son job que ce produit-là. Dans le côté, alors moi il va m'enlever les dernières impuretés que je vais avoir, hein, comme c'est le côté démaquillant, mais dans le côté, comment dire, le côté confort, le côté doux, après, je peux rester un petit temps sans me mettre une crème. Et c'est comme ça que je peux tester mes produits moi avec ma peau, c'est-à-dire que quand je me lave le visage, tout de suite, ma peau, elle a vraiment besoin de quelque chose pour enlever le calcaire et puis ce côté inconfort qui vous tiraille la peau. Et souvent, je mets donc, je vous ai montré la brume de la phare, je vous ai montré donc cette brume-là aussi. Et là, par contre, c'est ça. Et ça, enfin, cette lotion démaquillante, je l'adore parce que vraiment, ça m'enlève ce qui me reste au niveau des résidus, mais en même temps, ça m'apporte ce confort. Et juste derrière, je réapplique encore autre chose. Mais vraiment bien, donc sans alcool, voilà, donc vous pouvez même nettoyer visage et cou, donc c'est ce que je fais. Hein. Donc actif naturel, Sorenia, une eau aromatique, plante marine, ah oui c'est ça la Phytomère, c'est bien ce qui me semblait. Donc voilà, ça je vous le conseille aussi, il est vraiment bien. Et le produit que je n'ai pas testé, que je ne vais pas tester maintenant parce que j'ai plein de choses ouvertes, mais j'ai ouvert par contre quand même, c'est une crème apaisante veloutée douceur marine. J'ai vu sur le site, il a quand même une bonne cote. Donc je pense que ça doit être vraiment un bon produit. Alors, véritable rêve de douceur pour les peaux sensibles, parce que quand ils m'ont demandé, j'aurais dit que j'avais une peau sensible, donc c'est très bien, ça allait dans tout. Cette crème fondante formulée avec l'eau de source marine laisse l'épiderme souple et protégé, elle atténue les rougeurs et apaise l'inconfort des peaux sèches. Appliquée matin et ou soir par effleurage léger sur une peau soigneusement nettoyée et tonifiée. Quand je l'ai ouvert, donc en plus c'est un pot 50 ml, ce que j'ai bien aimé déjà, c'est que eux, ils ont pensé à mettre la petite spatule. Je vous expliquais vendredi que vous pouvez appliquer votre crème avec des pinceaux que vous ne vous servez pas. Il n'y a aucun souci. Il y a une abonnée, je ne sais plus comment elle s'appelle, elle m'a dit avec le manche du pinceau parce que j'aime pas, moi. Et puis là, j'ai mes ongles qui est un peu poussé, vous voyez. Donc, je vois quand je mets la crème de nuit, la phare, c'est vrai que j'aime pas trop ça. Je préfère plus ces spatules. Donc, je vous ai conseillé d'aller chez Sephora. Et de prendre toutes leurs spatules qu'ils ont sur les présentoirs. Vous dites pas que c'est moi. Donc voilà comment elle se présente.
Je l'ai ouvert pour la sentir. Voilà. Elle a l'air de sentir très bon. Hein. J'ai laissé le petit truc hein, en alu là parce que j'ai pas envie de. Le packaging est plutôt sympa. Donc ça, pareil, hein, je ne l'ai pas testé. Donc deux produits que je n'ai pas testé. Tous les autres, franchement, j'ai rien de négatif à dire. Alors vous le savez, c'est pas parce qu'on me les envoie. Hein. Je leur ai dit, c'était une condition. En tout cas, puis moi, ce que j'aime, et ce qu'on voit pas beaucoup sur les chaînes, et c'est ce qui est bien dommage, c'est que je vous fais des crash tests. Dans mes lives, je vous en parle et je vous fais en même temps sur Snap. Alors sur Snap, ça reste pas, donc il faut me suivre parce que, comme les lives, je ne préviens pas. Je le fais quand ça me prend. Donc voilà les produits qui m'ont été envoyés par les marques. Et j'en remercie vraiment parce que ça m'a fait énormément plaisir. Et en même temps, je découvre des produits et vous aussi. C'est ce qui est le but et c'est ce que j'aime bien. Ensuite, au niveau produit, j'ai sur le site Lafare 1789, là mon code va se terminer, The Dean 20, il se termine à la fin du mois et c'est valable une seule fois. Mais là, avec le groupe Sublime, il y avait Sublime 30 jusqu'au 20, mais je crois que c'est terminé. Et j'avais envie de tester cette box-là, en fait, elle est trop belle. Donc vous avez écrit Lafare Gift Box, ça s'appelle comme ça. Et vous avez 5 crèmes dedans. Alors, voilà, je vais vous montrer. Elle est magnifique la boîte. Bon, les produits se baladent un petit peu. Donc du coup, à l'intérieur, on va retrouver une crème. Voilà, ça se présente comme ça. Mais vous voyez, si je baisse, tous les produits sont bons. Ça ne reste pas dans le contenant en carton. C'est un peu dommage. Pour que je vous présente ça, mais vous avez pu voir sur mes réseaux, allez sur Instagram, je vous ai montré une photo. Donc dedans, on va retrouver le masque visage peeling que j'aime beaucoup. Donc ça, je le mettrai aussi dans mon grand concours de Noël, parce que j'en ai déjà une, donc ça ne me sert pas du tout. Dedans, il y a la crème main sublime, la crème pour les pieds, et il y a deux crèmes pour le visage, donc délicat et idéal. Donc c'est pareil, je vais voir, je pense que je mettrai une crème aussi de visage dans mon concours. Et si Katie, vous passez par là, je vous remercie beaucoup parce qu'elle m'avait dit qu'elle me mettrait un cadeau pour le concours justement. Et c'est la crème de nuit, donc je suis bien contente, c'est vraiment mais adorable de sa part. Alors justement, beaucoup de personnes lui ont dit, dans cette box là, ça aurait été génial en fait de remplacer une crème de jour par une crème de nuit parce que c'est vraiment... Le produit phare, c'est une super belle découverte, c'est vraiment une crème qui est... Enfin, elle est top cette crème-là, donc je suis contente, donc voilà. Elle vous en offre une, donc bien évidemment, là il faut que je tourne, il me reste un partenaire aussi qui a voulu se mettre avec moi pour vous faire plaisir. Donc après je fais ma vidéo et on en reparlera lors de ma vidéo des conditions par rapport au concours de Noël. Ensuite, donc je vous ai parlé de l'eau de merveilleuse, pardon, un retour produit, c'est, vous savez, bon là on change de budget, hein, mais très bien ce produit-là, le gel douche de chez Action. C'est un gel douche qui sent la fruit de la passion, moi c'est une odeur que j'aime les fruits, j'aime les glaces, j'aime tout fruit de la passion, j'aime tout. Et là, vous voyez, je l'ai bien utilisé, Lily aussi, elle l'adore. Je n'ai pas du tout la peau qui me gratte après. J'avais un peu peur. Et en fait, pas du tout. Ça mousse super bien. L'odeur, je la kiffe. Et en plus, je crois qu'il y a du jasmin dedans. Oui, jasmin aussi. Elle sent vraiment super bon. Donc ça, vous pouvez y aller. Foncez. Vraiment top. Ensuite, pendant le live, j'ai une abonnée qui a une peau qui est merdique, on va dire, très sèche, très atopique, qui a une peau comme eczémateuse, en fait, au niveau de l'eczéma. Et elle avait du mal au niveau contour des yeux. Donc moi, je lui ai donné un petit secret. Oui. Je prends la crème émolliante Aderma. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Ça, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Donc je reste pour que vous notiez. Faites sur pause une capture écran. Alors cette crème là en fait elle va calmer les irritations et réduire la sécheresse. Moi je l'utilise quand j'ai des darts, donc ça c'est formidable dessus. Par moment je vais l'utiliser le soir au lieu d'utiliser ma crème de Lafare, je vais l'utiliser carrément sur tout mon visage vraiment pour lui apporter un gros coup de nutrition.
et d'hydratation, mais en même temps, je le mets en masque en dessous, en contour de mes yeux. Et ce que j'ai pu remarquer, parce que dedans c'est de l'avoine, j'ai pu remarquer que ça illumine en dessous mon regard, ça atténue mes taches, et je pense que c'est l'avoine qu'il y a dedans. Donc en fait, celle-ci, vous pouvez l'appliquer une à deux fois par jour sur les zones sèches du visage et du corps, nourrissons, enfants, adultes, c'est ce que je vous disais dans mon live, elle est hypoallergénique. Ce que j'apprécie dans ce genre aussi de crème, c'est qu'elle est hygiénique, c'est-à-dire que là, le tube, ça ne peut pas sortir. Il faut que vous poussiez, ça va monter, le truc en caoutchouc, là. Voilà, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, là, ça monte. Attendez, je vous refais... Voilà, ça monte et ensuite la crème, elle va pouvoir sortir, voilà. Et c'est très hygiénique. Donc, je vais prendre la crème, je vais me la mettre sur les mains. Alors, c'est une crème quand même qui sent l'avoine, façon de parler. Au niveau de l'odeur, c'est pas ce qui me plaît le plus, mais ça pue pas non plus. Au niveau de la texture, par contre, elle apporte le côté nourrissant et hydratation, mais beaucoup plus, je trouve, nourrissant. Donc, elle est un petit peu quand même épaisse. Ça va coller un peu, hein, ça c'est sûr. Hein. Y a Cicaplast aussi de la Roche-Posay, je crois qu'il y a un peu dans ce style-là. Mais ça, franchement, il faut que vous ayez ça dans votre trousse, les filles. Vraiment, n'importe quel âge, hein, de 18 ans, femme majuscule, il faut que vous ayez ça. Ça peut servir à tout le monde. Ensuite, vous m'avez redemandé au niveau de mes cheveux. J'ai reçu des messages en me demandant de vous représenter et de vous redonner mon avis. Là, je peux vous redonner, il ne faut pas en mettre beaucoup. C'est un sérum réparateur instantané qui va réparer et qui va réparer les cheveux abîmés et secs. Et là, surtout à cette saison-là, en plus, l'automne, on perd nos cheveux, ils sont bof. Même moi, sur cheveux courts, hein, je les perds là en ce moment. J'ai arrêté en plus la spiruline. Donc pour le moment, parce que je ne suis pas non plus fatiguée, donc je fais des cures. Et il faut savoir que les compléments alimentaires, quand vous en prenez, il faut faire des pauses. Alors quand vous en prenez régulièrement, moi j'arrête le dimanche, je prends strictement rien et je repars le lundi. Mais il faut faire aussi des longues pauses. Donc là je continue le pamplemousse, mais j'ai arrêté la spiruline. Et quand je vais arrêter, quand je vais prendre la spiruline, le pamplemousse, je vais arrêter un peu et je reprendrai après les dents en même temps. Donc cette essence-là, elle est vraiment... top, j'ai rien à dire de négatif sur ce produit-là. Faut simplement ne pas en mettre beaucoup. Vous voyez, c'est pour ça. Moi, ça fait un moment que je vous le présente. Je crois que j'étais encore dans mon appartement quand je vous l'ai présenté. Je me souviens plus, mais il me semble bien. Mais ça, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup et vous pouvez foncer. C'est Mystiquette qui aime ces produits-là. Et en général, toutes les deux, quand elle aime quelque chose, moi, j'aime pas et vice-versa. D'ailleurs, on a fait un swap comme ça. Échange contraire, et du coup elle aime beaucoup cette gamme faite par Claudia Schiffer, et vraiment bien. Donc ils mettent 90% de fourche en moins, ça je peux pas vous le dire parce que j'ai les cheveux courts, donc pour moi ça va pas fonctionner, mais ce que je peux vous dire c'est que mes cheveux ils sont vraiment souples, doux, et je sens qu'ils sont nourris, et c'est vraiment super ce truc là. Ensuite, le rouge à lèvres que j'ai là, allez on se fait un zoom. Métallique, hein, il est trop beau. Alors ce rouge à lèvres là, c'est un coup de cœur, je l'aime vraiment beaucoup. J'en attends un autre le plus clair, je voulais pas le commander et là je l'ai commandé au Black Friday le plus clair. Parce que j'ai un gloss, il y a une vidéo qui va arriver, hein. Oui il y a plein de vidéos mais il y a plein de montages et tout à faire, ça va venir. Et de chez Sienne, chez Lidl, ils sont top, hein. Franchement ils sont top, je vous donne un avant-première, je vous spoil la vidéo mais ils sont top. Et il y a la couleur d'un, justement, gloss que je vais recevoir en métallique que j'ai commandé parce qu'ils étaient en promotion, là. Donc, si vous voyez ma vidéo ce matin, allez-y, peut-être qu'il en reste parce qu'elle finit aujourd'hui sur le site Mackie Hall. C'est les Amor Metallic Lip Crème. Cette couleur-là, mais c'est celle-ci, mais c'est celle que j'ai là, mais c'est une tuerie. Je l'ai depuis ce matin, mon rouge à lèvres. Là, il n'a pas bougé. Mais pareil. Il y en a qui vont trouver qu'ils sont pas bien et d'autres qui vont trouver qu'ils sont top. On est chacune différente. Moi, je vous montre, je vous ai posté des photos aussi sur Instagram. Les slicks ne me conviennent pas comme les autres Milani que je vous ai montré. Ça croûte là, ça s'en va et tout. Là, pas du tout. Cette couleur-là, c'est le 6, c'est le Materly in Love. C'est un de mes coups de cœur de cette année. Alors, il va falloir que je réunisse des produits, que je vous montre mes coups de cœur parce que je vous avais fait de janvier à juin. Ma vidéo elle est sur ma chaîne, si j'y pense je vous la mettrai là, mais là il faut que je vous fasse justement depuis les coups de cœur que j'ai, parce que lui il en fait vraiment partie avec les Girl Actiques où j'ai été vraiment mise surprise.
là, dans pas longtemps, il va y avoir, écoutez bien les filles, hein, écoutez bien, sur le site Makiol, pas Makilalia, parce que souvent vous les confondez les deux, mais Makiol, moi je dis pas Makial, je dis Makiol, j'aime bien, il va y avoir la marque Ofra. Ce sont des lip paint mat, apparemment. Aussi, je crois qu'il y a d'autres textures, je me souviens plus trop, mais qui vont arriver sur ce site-là. Ça va être une bombe et j'en attends un en avant-première. Yes! Donc du coup, je vous ferai un crash test, c'est sûr, sur celui-là. Je voulais vous faire un crash test aussi, c'est vrai que j'ai eu un manque de temps parce que, en tout cas, je vous remercie, ça m'a fait énormément plaisir. Tous les crash tests que je vous ai fait ces derniers temps, vous avez été nombreuses à me mettre en dessous la vidéo que vous aimez les crash tests parce que ça vous donne un avis vraiment concret. Et moi, c'est ce que j'aime faire. Quand je regarde les vidéos, qu'on me parle d'un produit, qu'on me dit « ouais, c'est bien », mais qu'on ne me l'a pas montré, j'ai un peu de mal, quoi. Mais là, c'est pour ça que j'adore faire les crash tests. Et ne serait-ce que les mascaras, on se rend super mieux compte. Bon, toutes différentes avec nos cils, hein, voilà, courts, moins, charnus ou pas et tout. Mais bon, ça donne quand même un avis, comme sur les démaquillants, comme sur les rouges à lèvres et tout ça. Et lui, je voulais vous le faire. Alors, rien n'empêche, je peux vous le faire, comme j'en attends un autre plus clair, vraiment de vous faire une revue exprès sur cela. En tout cas, vous avez sur le site Nasta Makeup, la maquilleuse artistique, qui vous fait des swatchs. C'est vraiment les couleurs et c'est top. Je ne suis pas déçue, en tout cas, moi je l'aime beaucoup. Et dernier produit, avant-dernier, parce que je vais vous parler vite fait de quelque chose, parce que je veux lui consacrer une vidéo. Là, un spray nasal, ça n'a rien à voir avec le make-up, mais vous savez que je suis beaucoup aussi dans ça et ça en aide aussi beaucoup certaines. J'ai acheté un spray nasal qui nettoie, libère et protège. Il y a de l'eau de mer, il y a de l'aloe vera, du lichen d'Islande, les huiles essentielles de myrrhe, du cuivre, du manganèse, du soufre. Et ça, c'est top. Il est complet, ce produit-là. Et en fait, je l'ai pris. Vous savez que l'allergologue m'a donné un spray à la cortisone. J'en ai marre de me foutre de la merde dans le nez de la cortisone. Alors, il y a des fois, j'ai pas le choix. Je suis obligée. Et comme là, je me suis dit, il m'avait rien donné, mais j'ai repris de l'aérius parce que je n'en pouvais plus. Et là, je me suis dit, mais attends, ça, il y a de l'eau de mer dedans, ça nettoie bien. Le cuivre, le manganèse, le soufre aussi, l'aloe vera. J'ai dit, non, mais... Et ça, je vous promets, ça me va mieux que mon produit à la cortisone. Ouais, mais attention, c'est moi. Donc, il se présente comme ça. D'ailleurs, au niveau de la diffusion, à savoir que donc ça va nettoyer, libérer, protéger, et ça, c'est top. Vous pouvez l'utiliser plusieurs fois par jour à partir de 6 ans, donc c'est super pour les mômes. Du coup, vous pincez votre narine, enfin, vous appuyez votre narine tête en bas, et ouais, c'est pas tête en haut, en l'air, tête en bas. Et là, j'adore parce que vous avez l'emplacement pour les doigts, et du coup, les pulvérisations, vous en mettez une fois, vous niflez, vous faites l'autre, et deux fois. Voilà, deux fois dans chaque narine. En tout cas, c'est un produit que j'aime beaucoup et que je vous recommande, et que de toute façon, c'est sûr et certain qu'une fois que je l'ai terminé, je le rachète. Plus les soucis, là. Voilà. Ensuite, la dernière chose, je vais vous montrer, mais alors vraiment vite fait, parce que je vais faire vraiment une vidéo. Lui consacrer une vidéo. Vous savez, je suis fan de bougies. Vous avez déjà sur ma chaîne une vidéo sur le site de Galaxy Parfumée qui se trouve, et je vous mettrai là, donc la première vidéo que j'ai faite. Là, je veux lui consacrer une autre vidéo. J'aime faire brûler des bougies. Je brûle comme tout le monde les Yankee Candle, mais à mon grand désespoir, les Yankee Candle, pour moi, et ce n'est que mon avis, alors les senteurs sont super, elles sont super bonnes pour la plupart des bougies, mais je trouve que dans le temps, pas immédiatement, mais dans le temps, quand on rallume notre bougie, et je crois qu'elle a une durée de 8 heures si je ne me trompe pas, la tartelette de Yankee Candle, je crois, 6 ou 8 heures, je ne me souviens plus, donc pour moi c'est pas suffisant. Parce que je vais quand même des fois brûler un peu toute la matinée, donc on va dire aller 3-4 heures, donc deux fois ça fait hop, deux jours, ta bougie, elle est morte. Que là, franchement, et je sais que suite à ma vidéo de la dernière fois, qui remonte à un an, peut-être même ça se trouve, beaucoup ont commandé, beaucoup ne sont pas déçus. Ce sont des bougies qui sont faites artisanales, à la main, qui sont vraiment mais du top. Voilà, c'est les bougies de Galaxy Parfumée. Christelle, qui est la propriétaire du site et donc de sa boutique, s'investit énormément. Elle est toute seule et elle fait un sacré boulot.
J'aime ces bougies-là, vous le savez, l'année dernière, j'ai une abonnée qui m'a fait qu'un calendrier de l'Avent avec que ces bougies-là, mais j'étais la plus heureuse. En plus, c'est vraiment pas cher. Elle a tout refait. Donc là, elle a racheté des packagings pour mettre ses bougies dedans. Elle nous a fait super bien, enfin, le truc, quoi. Derrière, vous avez la bougie avec la senteur, c'est quoi. Et là, elle a racheté des moules, donc vous avez des papillons, tout ça. Mais franchement, je vais vous faire la vidéo, donc je vais pas vous en dire plus. Et là, la bougie, moi, elle me fait le mois. Le mois. C'est pas 8 heures. Elle me fait carrément le mois. Je n'en reviens pas. Voilà. Donc, elle m'a envoyé plein de senteurs. Donc, je vais vous en parler parce que ça va être les fêtes de Noël. Et ça, c'est un super beau cadeau. Je vais vous montrer une autre bougie. En plus, elle met des paillettes. Mais offrez ça à celles qui aiment des bougies. Mais c'est un pur bonheur. Moi, on m'offre ça. Mais je suis super heureuse. C'est magnifique. Ça, c'est le parfum Angel. Yes. Mais je vous en reparle et je vous conseille d'aller voir ma vidéo. Je vais essayer d'aller la faire au plus vite. Voilà. Alors, les smilettes et les sweeties. Maintenant, Sweet Dean Makeup, je trouve ça les sweeties ou les sweeties, j'en sais rien. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs. Et du coup, je vous remercie énormément pour tous vos commentaires de toute la semaine sur tous les réseaux. Mon Instagram, il est en train de prendre une envolée, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais j'adore ce réseau-là, poster des photos. Et non, je ne me la pète pas. Si je poste des photos de moi, c'est parce que j'aime la photo, pas moi spécialement. Je m'aime pas moi, j'aime la photo. J'ai toujours aimé la photo. Et mon rêve, ça serait de travailler justement avec un photographe. Parce que j'aime l'œil du photographe, ce qu'il peut capturer. Et du coup, quand je pose, moi, vous avez certaines photos, j'ai des expressions, j'ai des envies de dire des choses, ou voilà, et ça passe par le regard et tout. Et je vous remercie pour tous les commentaires que vous me laissez, parce que j'aime ça, j'aime, c'est ma passion. Donc du coup, c'est la passion du make-up. Je vous montre mes make-up, je vous présente mes produits, mais voilà, le jour où je me la pèterai, je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie aussi du tag, il y a un tag sur ma chaîne, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, sur YouTube et les youtubeuses beauté. Donc voilà, et je pense que, dites-moi, mettez un pouce en l'air si vous voulez que je vous fasse un Share the Love du moment, et on en reparlera. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une bonne semaine, et je vous dis smile and zen. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.